Alors ça c'est optionnel, mais vous pouvez avoir, parce que certaines personnes, ben, ça peut les aider à booster. Moi personnellement, je pense que, eh bien, je ne dis pas que, évidemment, je ne vais pas le faire, mais je veux dire, je pense que c'est mieux d'avoir vraiment une récompense finale, pas forcément une récompense pour ce que vous faites, mais c'est que, ben, lorsque vous avez des victoires, ben, ayez des récompenses, voilà, récompensez-vous pour, ben, complémenter votre potentiel. Parce que lorsque vous, ben, c'est-à-dire, lorsque vous vous récompensez, ça veut dire que vous avez travaillé dur pour cela. Et que bah, vous dites, bah, franchement, j'ai réussi à mettre toute cette discipline, tout ce courage, je suis fier de moi. Après, il ne faut pas tomber non plus lorsque vous vous récompensez dans le fait de, ouais, j'ai eu tout ça, je suis bien, je vais me reposer maintenant, et rester dans la moyenne. Non. C'est pour ça que je dis que, bah, il vaut mieux avoir une récompense finale, une grosse récompense. Comme ça, bah, même si vous simplement restez dans la moyenne, vous allez avoir quand même pas mal d'argent et pas mal, eh bien, de ressources pour vivre vos rêves.